Vous entendez que de plus en plus de créatures se rassemblent dans le coin. Faites vite. Vite. Bon, bah, on avance, on continue d'avancer. Ok, ouais. Très bien. Tu ouvres la marche ou j'ouvre la marche, Fred? Je vas-y. parce que si tu y vas, je te donne une arme. Donc voilà, il y a une... Bah, vas-y. Mais c'est bien. Rien ne peut bloquer la... Alors, rien ne peut bloquer la porte par hasard. Hein. Y a pas... Ici non, absolument pas. Par contre, toi Fred qui a fait une réflexion tout à l'heure, je vais demander un test de perception s'il te plaît, avec le bonus de 10%. Si tu vois la poêle à frire. 49, ça passe. Très bien. Tu vois qu'il y a par terre dans la poussière, parce que c'est un endroit en ruine, hein, dans le sable, partout autour, tu vois qu'il y a des traces de pas qui sont, que tu reconnais clairement comme étant des chaussures de militaires qui sont hyper récents, qui doivent être ici. C'est pas des pas un peu chaotique comme les morts vivants, comme les zombies, pas du tout. C'est il y a du militaire dans le coin et du militaire qui se cache. Bon, donc on avance. S'il y a rien dans la pièce, on avance. Ok, très bien. Ouais. Et par ailleurs, formation militaire. Logiquement, on a un mot qu'on peut lancer pour justement pour. Alors, donc, la question c'est est-ce qu'on s'annonce comme ça s'il y a des militaires, ils savent qu'on est là. Oui, tu peux. Mais ça veut dire qu'on fait du bruit. Mais d'un autre côté, on a fait du bruit. Quoi. Voilà, c'est ça. Avoir un raccourci X. Non mais c'est genre éclair-tonnerre, tu vois. Enfin, non. Donc, non, ici... Dans la deuxième guerre, c'était comme ça qu'ils avançaient. Il y avait une équipe qui gueulait éclair, et si en face ça répondait tonnerre, c'était des ennemis. Foudre-tonnerre. Très bien. Donc, du coup, tu essayes de progresser, enfin tu arrives par là, et il n'y a rien. Est-ce que... Il n'y a absolument rien. Donc, il y a encore, hein, par là... Je loot le matelas. Alors, et c'est juste sous le matelas, c'est quoi? C'est un sommier ou c'est une grille, genre c'est une ouverture? Non, non, c'est pas une ouverture, c'est un sommier. D'accord. Et tu ne trouves aucun équipement particulier. Par contre, vous êtes ici, il y a un espace, comme vous pouvez voir, qui est fermé. Donc il va falloir faire le tour du bâtiment par là, sachant que, est-ce que tu essaies de prononcer le mot de passe pour essayer de vous reconnaître entre vous? J'ai juste pas compris, par où est-ce qu'il faut qu'on passe? Faut que vous fassiez à l'extérieur. Tour. Absolument. Faut que vous ressortiez. D'accord, mais on est d'accord que dans la cuisine, la fenêtre ici, la baie vitrée ici, là où je ping, est ouverte. Absolument. Il y a des verres pétées, on peut sortir par là. D'accord. Absolument. On va sortir par là, alors en plus on voit bien. D'accord, ben on sort par là du coup. Mais alors est-ce que avant on essaie à travers la cloison de dire. Moi à travers la cloison je dis le mot de passe. Ok. Foutre. Hop. Par exemple. Ça ne répond pas? Si. Au moment où tu entends un sifflement, pas un sifflement celui d'un zombie, parce que les zombies ne sifflent pas, comme vous le savez, et bien vous voyez donc qu'il y a une créature juste ici qui s'est rapprochée de vous parce que vous faites un bruit monstre depuis tout à l'heure. Donc il va falloir le maîtriser également. Vous pourrez le maîtriser, je vais considérer qu'il est maîtrisé si vous êtes plusieurs à dessus. Mais genre en fait, deux ou trois quoi. Ok. Bah, allez, on sort. Ok. Vous le maîtrisez au fur et à mesure et vous entendez des sifflements. Donc, qui vous emmène vers, pas l'intérieur, mais vers l'extérieur. Ah merde. Eh ben, ah, on va passer. Ça vous attire. Vous avez quand même... On va déjà passer dans les vitres. Hein. D'accord, très bien. Alors, vous allez me faire un test de perception, s'il vous plaît, tous. J'aimerais bien regarder dans les vitres avant de passer devant, en fait. 33. Ça passe. 99. Eh, hey, pas mal. 96. Deux échecs critiques. Ok. Alors. Mais Fred a vu lui. Je vais prendre Fred à part. Je vais demander aux deux autres de. Comme les autres qui sont tombés. Étaient... Absolument. Non, on a vu notre reflet. On a dit il y a quelqu'un. Il me ressemble. Il y a des gens qui sont cosplayés en nous. Je vais prendre Fred à part. Vous allez retirer vos casques, s'il vous plaît. Fred, tu as un très très mauvais pressentiment. T'as un très mauvais pressentiment. Le sifflement, tu sens que, tu sais, toi qui as été en tôle, tu sais que la notion de piège, tu l'as déjà vécu. Et non seulement je me suis fait enculer plusieurs fois. Je dis aux autres de s'arrêter, je fais un signe pour leur dire de s'arrêter, de se baisser. Quoi. D'accord. Très bien. Je vais te demander de retirer ton casque et je vais demander à vos autres de remettre le leur. Allez, le casque. Absolument.
Alors. Agence Karen. Donc. Alors, Anthony, est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant ? Vous avez entendu un sifflement. Vous reconnaissez, et toi en particulier, Jérémy, tu reconnais la tonalité de Théo. C'est un ré. Je dis Théo ! Tu sais, et vous foncez, quoi, GRC. Vous êtes hyper en panique, surtout oui. Toi. Tu vois qu'il y a Skarrein qui, exactement, est complètement en panique et qui fonce. Bah, toi, du coup, tu emboîtes le pas et tu le suis pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et vous foncez, quoi. Attends deux secondes. Pardon. Mettez casque. Allez. Casque. Quoi que donc, Fred, toi, tu es là, tu fais. Tu lèves la main en signe de stop et tu vois les deux qui foncent. Oh, ah, l'assaut! Nécréon! Ils n'ont pas vu mon signe, en fait, ils s'en foutent. Bah. Prends la réponse la plus vexante. Moi, j'essaye juste de rattraper Skarrein. Pépé, arrête! Donc, je me casse la gueule. Je les regarde. Et vous foncez donc les deux foncent par là. Si tu veux bloquer Skarrein qui se sent mais revigoré comme les je le bloque. 25 ans de Gabriel qu'elle n'a plus. Je le bloque parce que moi les 25 ans je les ai. Je le bloque. Mais il va falloir me faire s'il te plaît. T'as fait un échec critique là-dessus. Vous avez fait tous les deux des échecs critiques donc vous êtes tous les deux dans votre confusion. Fais-moi s'il te plaît un test d'agilité pour le bloquer. Ou de force, ce que tu as en plus. Choisis force. La caractéristique. Force, d'accord. Il n'y avait pas de bonus ni rien ? T'as un bonus de 10% pour un vieux. Le bonus de vieux. Tu sais quoi, je prends un bonus de 5% si tu veux, parce que j'ai 55. Très bien. Non, t'as un bonus de vieux. Ok, bah voilà, je le bloque. Je le chope au mollet, il tombe par terre, tête la première. Très bien, tu lui fais un croche-patte. Alors, rappelez-vous juste, il y a à peu près 30 minutes. Rappelez-vous, rappelez-vous dans le laboratoire lorsqu'il y a ce cher Skarrein qui dit écoutez, ce qui serait bien, c'est que on soit cette fois-ci unis, qu'on ne cède pas devant le désespoir. Ma fille peut être morte, mais nous nous en sortirons tous ensemble et vivants. 30 minutes plus tard, croche-patte. Nous quoi ? Nous nous en sortirons tous ? Très bien. Parfait. Et je sens que ça va être une bonne partie. À ce moment-là. Je l'ai bloqué vachement loin, là, je trouve. Je l'ai bloqué beaucoup plus tôt que ça. Hein. Ouais, mais non. Il y a ici. Juste droit devant vous. Là. Putain, qu'est-ce qu'il y a ? Un berserker. Une personne, un militaire. Tu reconnais, toi, un membre de l'escouade Alpha. Qui, toi ? Qui siffle ? Qui ça, toi ? Toi, Bruce. Moi, Warren. D'accord. Et du coup, il m'a fait un croche-patte, du coup, je suis par terre. D'accord. Ouais, absolument. Ok. Et là, j'ai mon surnom qui est posé sur son dos, donc tu peux plus bouger. Ouais. Toi, par contre, t'es pas dans la scène. Tu suis tout ça, tu peux venir. Du coup, tu restes le bras levé pour dire stop. Non, mais en fait, le truc, c'est. J'attends 10 secondes et s'ils sont pas morts, j'irai après. Mais. C'est juste que je reste à l'angle, moi, pour regarder, t'es voir ce qui se passe. Très bien, tu restes à l'angle, donc tu es probablement invisible, en l'occurrence. Tu peux agir à tout moment, et tu pourras le faire sans que personne ne te repère. Accessoirement, c'est quoi ça ? C'est une porte ? Tout à fait. D'accord. Et tu peux utiliser le super pouvoir qu'a évoqué Bruce pour le faire discrètement. Non, tu vais te demander à un moment donné de faire un test de discrétion si tu veux évoluer. Donc, il y a la personne en face de vous, donc Edge. Hey, moi, je le connais. Hein. Absolument. Warren. Oui. Vous avez exactement ce que je cherche. Et son regard se porte sur la valise que vous avez. La valise avec le symbole du complexe, le symbole d'arche. D'accord. Oui. Ok, on a exactement ce que tu cherches. Moi, on a aussi d'autres choses que tu cherches peut-être pas. Il y a un enfant et le fils de Gabriel qui est ici dans le coin. Je l'ai entendu. Ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on unisse nos forces. Vous avez l'air d'être fatigué, laissez-moi vous débarrasser. Dit-il alors qu'il y a un genou qui est sur mon dos et que je suis en train de bouffer de laissez-moi la vous débarrasser du vieux.
Est-ce que je peux juste ouvrir cette porte pendant ce temps-là? Tout doucement, tu sais. Ouais. Si tu prends du temps, tu le fais sans faire de tête. Enfin, juste, j'entrouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. Si je vois qu'il y a un zombie, j'en referme. Il n'y a rien. Mais tu vois ici donc que c'est très abîmé. Les parois sont très très abîmées. Ici, il y a une porte, comme tu peux voir. Là, c'est, une ruine. Là, c'est vide, c'est des ruines. Là, c'est des fenêtres. Par contre, ici, c'est le sol et la paroi complètement désagrégée. D'accord. En fait, parce que je veux juste rentrer. Si c'est des fenêtres, je veux juste me baisser pour être hors de vue depuis l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. C'est exactement ce qui se marche. C'est ce qui se passe. Tu es totalement invisible. Là. Donc. Très bien. Ok, moi pendant ce temps-là, je dis à Edge, bah écoute, mec, tu connais la chanson. Moi, je suis ok pour qu'on s'unisse. Mais première étape de tout équiper. De toute façon, c'est première chose, c'est équipement. Est-ce que t'es chargé? Est-ce que t'as des munitions? Est-ce que t'as des armes? Est-ce que t'as des soins? Qu'est-ce que tu as? Faut qu'on passe à l'inventaire. J'ai des munitions, bien sûr. Allez, viens. On va se mettre à l'abri. Armes? Est-ce que t'as des armes? On va se mettre par là. Ah, bien sûr. C'est tout ce qu'il faut. Viens, qu'est-ce que tu as comme arme? J'ai ce qu'il faut. Et tu vois qu'il t'entends un clac. Il ouvre son holster et il sort donc un revolver qu'il pose, un pistolet qu'il pose sur le coin de son coude. Tu vois que c'est vers vous, mais ça descend. Et tu le sens pas bien, mais quelque part, on est tous vénères dans l'apocalypse. On va dire que pour l'instant j'avance, mais que je vais rester très attentif et j'ai le doigt sur la détente. Ouais, ok. Je le regarde et je lui dis: où est Théo? Karen, il est à l'intérieur. Karen, tu restes derrière moi. Dakodak. Dakodak. Ça c'est bien de ta génération pour le coup. Ah bon? Ah moi bon. Alors. Reste derrière moi du con. Bah, je suis derrière toi. Anthony, t'entends bien et comme je te disais, Anthony, il y a. Par là, mais c'est un risque que tu peux courir. C'est un risque réel. De traverser le mur. Absolument. C'est-à-dire que la paroi est totalement poreuse. Avec des mains. Enfin. La cohérence. La boucle est bouclée. Ça venait donc d'ici. Le plot twist. Non, le bois est moisi, les planches sont arrachées à moitié, c'est gratté dans tous les sens. Du coup, je suppose que ça veut dire que je peux voir à travers, du coup. Absolument, oui. Tu peux voir à travers. En faisant un test de perception. Fais-moi, absolument, parce que c'est sombre à l'intérieur, d'autant plus qu'il fait nuit, tu sais. Donc, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Sans aucun bonus. Il n'y a pas de fenêtre en plus dans ce bâtiment. 29. Oh, GG, 29. Tu vois la chose suivante ici. Hop. Je te montre l'angle de vue hein, parce que tu peux pas tout voir. Mmh. Et je voulais au passage attraper cette espèce de pot là qui est là pour m'en servir. Ouais. Tu vois ça? Pour faire le thé. Oui, d'accord. Okay, c'est un militaire et il a l'arme qui est chargée et prêt. Ok. Bon, nous, bien entendu, on voit pas. Bah non. Il est juste ici. Donc, Bruce, Warren, t'avances. Je donne la valise à Skaren qui reste derrière moi. Skaren. La valise. Ok. Très bien. Oh, ok, Edge, après toi. Quand tu bouges avec la valise, tu fais quoi avec la valise? Elle est remplie de quoi exactement? Pardon. D'éprouvettes, de flacons, d'analyses sanguines et tout ça. elle est pas facile à ouvrir ou quoi, hein, j'imagine. Il y a un code. Il y a un code. Il y a un petit code, mais c'est tout. C'est un truc à trois chiffres, un truc à la con. Disons qu'on s'attend pas à ce qu'il y ait des choses étranges, des trahisons ou quoi que ce soit. Vous êtes vous-même. Il n'y a pas de scanner rétinien pour l'ouvrir. Voilà. Bien sûr. Donc, tu t'approches. Mais en revanche, on est d'accord, c'est une mallette qui supporte les chocs. Si elle tombe, c'est pas grave. Tout à fait, absolument. Puis en plus de ça, les éprouvettes, elles risquent de pas de casser vu que c'est bloqué avec de la mousse et compagnie. Tout à fait. Donc moi je dis à Edge, bah vas-y après toi mec. Très bien. Et moi dès qu'il rentre dans le truc, alors ça va peut-être être une connerie. T'as fait un échec critique tout à l'heure. Hein. Ouais mais bon, j'en tiens pas compte. Je vais au bout de mon idée. Je vide la mallette. J'hésite entre dans mes poches ou je vide pas les fioles. Hein. Non, je prends les fioles et je les mets
Je les enterre en fait. Je les mets juste à côté. Tu creuses un trou. Ouais, non, je veux dire, il y a de l'herbe. C'est de l'herbe autour, non? Non, pas de ce que je vois. Non, c'est pas de l'herbe. Non. D'accord. Non, c'est de la terre qui est sèche, Ok, voilà. Je fais rien avec la mallette, voilà. Bon, bah je la garde. Pour moi, c'est même du béton quoi, ou du bitume. Ouais, enfin, bah, c'est des ruines. Je croyais que c'était de l'herbe et que je pouvais foutre les fioles sous de l'herbe, mais non. D'accord. Ok. Non. Très bien. Bon, bah je garde la mallette. Voilà, tu peux les mettre au coin là, si tu veux. Non, parce que je pense pas que ce soit une bonne idée. Très bien. Donc, Warren, tu avances? Ouais, bah moi je suis derrière Edge. Ok, Edge avance. Voilà. Et donc là maintenant j'avance. Ok. Donc je rappelle, et ça pour le coup c'est pas une surprise parce que j'ai dit tout à l'heure, je vérifie les coins quand j'entre dans une pièce. Donc je repère immédiatement qu'il y a un militaire à gauche. Je regarde quand même derrière moi et je vois qu'Anto est pas là en fait, surtout aussi. C'est-à-dire que je suis pris un peu entre deux. Et du coup je regarde derrière moi et T'es le vieux comme ça avec la valise, t'es tout seul. Oui, je reste indécis, je reste au milieu du truc. Fais-moi un test de perception. Fais-moi un test de perception. Pas loin. Moi ? Oh non, ben Bruce. Moi ? Oui, toi, Bruce. Absolument. Allez, c'est parti. 33, et je vais te dire ça. Ça passe. Perception. Ah, j'ai 80, tu m'étonnes que ça passe. Bah, tu sais quoi ? Remets-moi ton bonus de 10, j'en ai rien à foutre. Je te mets un bonus de 20. Tu réussis sans aucune gloire. J'aurais pu faire un critique. Donc, tu vois qu'il y a en effet un militaire qui s'apprête, enfin qui te braque en ta direction. Tu peux faire semblant que tu l'as pas remarqué et t'arrêter à la lisière si tu veux. Ou alors je peux simplement lui dire salut. D'accord. Et te braque avec son arme. Mais je le salue, je lui fais le salut militaire. Il te braque avec. Ok. Bah c'est normal, moi à la limite je suis pas choqué pour l'instant, il y a quelqu'un qui rentre, je connais pas, il le braque. Ce que tu remarques également, vu que je vais révéler maintenant le reste de la pièce. Je vois la pièce. Moi je fais Anto ! Anto ! Anthony ! Voilà, il y a ici des corps, des cadavres qui sont ici, et qui sont au pied de l'arbre. C'est assez symbolique parce que, alors que nous sommes dans une sorte d'état climatique vraiment naze et qu'il y a des sortes de dégénérescence climatique et une sorte de sol complètement appauvri et des ruines partout, il y a comme qui dirait donc un arbre qui, lui, en dépit du bon sens, a réussi quelque part à pousser de sa plus grande majesté. Et il a l'intérieur. Il a poussé à la fois vers l'intérieur, c'est-à-dire que les branches, en poussant, le truc a fait écrouler une partie du bâtiment. D'accord, donc, très bien. En dessous, c'est totalement écroulé. Et c'est, même ici, tu peux voir que la paroi est écroulée. C'est ça, là, il n'y a pas de mur, on est d'accord. Absolument. Et donc, tu remarques, ici, dans les hauteurs de l'arbre, le petit Théo. Qui a l'air d'aller bien, il n'est pas attaché ni rien, il est juste dans l'arbre. Oui, il a grimpé, il est pas attaché, il va très bien. Il est juste en fait. Non, il est juste à l'abri des. Il est monté là et il est à l'abri des créatures. Des créatures, puisque les mecs, s'ils avaient voulu le désinguer, ils l'auraient désingué avec une arme. Hein, bien sûr. Okay. Mais ils l'ont apparemment pas remarqué. Toi, t'as réussi un test de perception. Très bien, d'ailleurs. A priori, ils l'ont pas remarqué parce que tu ne vois aucun regard porté là-dessus. Il y a les zombies qui sont par là. Disons que dans pas longtemps, il pourrait y avoir les zombies qui pourraient donner la puce à l'oreille si vous agissez pas vite. Mais les deux là que je ping maintenant, oui. Ceux-là, ils ont été déjà désingués ou ils sont encore en train de bouger? Ils sont encore là. Donc pendant tout ça, Anthony, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait Théo dans l'arbre? Alors, à moins de réussir un test de perception. Comme Bruce, tu ne le remarques pas. Tu vois Y a un angle de vue de fou là, c'est pas possible. Je suis d'accord. Éventuellement, il a vu que moi, je suis dans la pièce, quoi, c'est tout. Ouais. Sur un critique. Ouais. Vas-y. Allez. Parce que là, je fais un critique, y a pas de problème, regarde. Et si tu fais un échec critique, tu traverses le mur. 35. Bonjour. Tu vois, t'arrives à voir un peu plus parce que tu as pris du temps, parce qu'il y a du temps qui s'est écoulé, vu qu'il a avancé, vu qu'il y a eu de la discussion. Donc, tu as eu l'occasion de peut-être bouger un tout petit peu une planche pour voir un peu plus à l'intérieur, pour essayer d'analyser un peu plus. Mais tu ne vois pas le petit dans l'arbre. Tu vois juste quelque chose qui te met un peu une puce à l'oreille, mais tu n'arrives pas à déterminer pourquoi. Donc, il y a deux zombies ici. Tu vois le militaire ici en train de braquer
Warren. Scarine, lui, de son côté, est à l'extérieur, hein, avec la valise, en mode « C'est à moi !» Non, je vais attendre un petit peu, j'ai une idée en fait à faire, mais j'attends de voir comment la situation va évoluer. Bah, attends, d'accord. Je vais essayer de pourrir ton idée, Fred. Je vais essayer de, je vais reculer un petit peu pour voir où est Fred, parce que je vois qu'il est avec les soldats. Est-ce que tu cries « Anthony !» Non, Anthony, non, est-ce que tu es caché dans le bâtiment ? Non, non, c'est... je fais « Anthony !» Je me dirige vers là, ouais, et... Non, si il fait ça, effectivement, au moment où il passe au niveau de la fenêtre, je clonk-clonk à la fenêtre juste pour dire Anthony, je suis là, fais comme si j'étais pas là. Anthony, je lui dis « Comment, Anthony ?» Est-ce que c'est une fenêtre qui s'ouvre ? Oui, bien sûr. Mais c'est, de toute façon, t'étais pas là. Moi, roleplay, je suis pas là, donc voilà. D'accord, c'est une fenêtre qui s'ouvre ? Ouais. Qu'est-ce que vous faites, Jérémy Fred, alors ? Moi, je vais lui filer la mallette. Mais il va falloir me faire un test d'agilité si vous voulez ouvrir. À quel moment le PNJ qui est uniquement intéressé par la mallette, il va pas te suivre en fait et, bah oui, c'est ça. Exactement. Bah moi pour l'instant, je suis. Alors. Fais-moi un test, là, s'il te plaît, d'agilité si tu veux ouvrir la fenêtre. Non, mais ne révèle pas ma position, espèce de con. Mais. Je révèle pas ta position. Bah, dès le départ, il a annoncé qu'il allait pourrir ton plan. Tu ouvres la fenêtre et tu fais tiens. Non, mais je vais tout faire pour, mon cher Fred, mais j'ai juste pas envie d'avoir de problème. Par contre, Maillard, tu déplaces pas Edge pour l'instant. Non, mais j'attends qu'ils agissent en fait, Skyrim, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je réagisse, moi. Bah oui. Moi, je suis un vieux con. Fais-moi tes agilités. S'il fait ça, moi, je prends la mallette et je la renvoie. 55. Et, alors, est-ce que tu m'aides, Fred, à ouvrir la fenêtre ou pas ? Parce que ce serait bien d'avoir un bonus. Bah non ! Non, il te fait des doigts, il te fait un bras d'honneur, il te fait la fenêtre. Je suis pas demeuré aussi, c'est-à-dire que s'il me fait « Non, donne pas la... S'il me fait ça, tu vois, je vais faire ouais. « okay. Ok. » Mais fais-moi un test d'agilité quand même, vas-y. Non. Bon, d'accord. 71. Ah merde ! Ok, ouais, non, t'essaies d'ouvrir la fenêtre, tu fais du bruit. Oui. Hop. Il y a Edge qui fait « Ah ! Scarine, rejoignez-nous !» Ah, tu vois, mais c'est là où moi, normalement, j'allais dire, je suis devant la porte et je laisse passer personne. Pour l'instant, je suis en train de discuter avec les gars. Bah, il y a passe pour passer deux personnes, pour que deux personnes passent. Regarde, hop. Non, mais ce qui se passe, c'est que moi, je suis devant la porte et je dis « Bon alors, où est le reste de votre unité ? Vous êtes combien ? Est-ce qu'on attend des renforts ? Quelle est la situation ?» Je vais la faire. Il te force. Il te force. À moins de le bloquer. Il me force. Oui, oui, bien sûr. D'accord, c'est-à-dire que le mec me pousse. Oui, te pousse. D'accord. Donc tu me diras quand c'est à mon tour de jouer. Ok. Scarine, venez. Maintenant, allez. On a assez perdu de temps. Maintenant, oui, vous avez retrouvé des personnes qui sont... dont c'est le travail. Il me voit complètement, là, en fait. Ah oui, complètement. Oui. Bah, en plus, t'étais en train d'essayer d'ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez vous mettre dans la maison ? Vraiment, vous n'êtes pas assez... Sérieusement, vous n'êtes pas assez en danger ? Allez, venez. Je le regarde et je lui fais... Gabriel. Je prétends la démence. Non, je rigole. Oui, vous avez raison. Pardon, et je remets un petit peu mes lunettes. Oui, pardon. Ok. Bonjour, monsieur. Il pose la main sur ton épaule et tu sens qu'il te force un peu pour entrer. Aïe ! Pourquoi ? Ok, tu rentres. Anthony, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Je vois Théo. Ouais. 67, ça passe. Pas de 2. Pas de 2 ? D'accord. Ouais, sachant que tu es en discrétion depuis tout à l'heure. 67. Donc tu es... Traverse le mur. Dis-moi exactement ce que tu fais. Bah, en fait, rien. J'attends de voir comment la situation veut évoluer. Et en fait, le truc, si je vois que ça commence à devenir dangereux, je vais juste gratter au mur qui est là. Comme un chat, avec les ongles. Pour suffisamment fort pour susciter l'interrogation du garde qui est ici, en fait. Pring ? Avec un point d'exclamation sur sa tête. D'accord. Et moi je fais Théo, mais pourquoi il qu'est-ce qu'il est Non, il n'y a pas de Théo là, tu commences pas. T'as rien remarqué du tout. D'accord. C'était la question que je posais juste avant et je me suis dit, bah oui, je le vois parce qu'il est au fond. Tu grattes. Au moment où tu grattes. Si ça se passe mal, là pour l'instant ils sont en train de discuter, tu vois. T'attends qu'il y ait un coup de feu pour. Non, mais je vois que si jamais ça commence à menacer. T'inquiète pas, ça va venir vite. Okay. À l'instant où je vois que ça commence à menacer, en fait, je gratte en faisant des. Ben voilà quoi. D'accord, ok. Donc, les deux sont là. Bruce. Oui. Tu
tu sais, dans la position qu'ils ont engagée, que là, là, c'est mal barré. C'est très mal barré. Donc, moi, l'air de rien, je fais « Bon, sinon, où est le reste de votre unité ?» Je veux dire, vous êtes nombreux, il y a du monde encore, etc. Et puis, au moment où ils vont pour me répondre, je commence par, très rapidement, tirer sur celui-là, puis celui-là. Non, pas celui-là, d'abord l'autre. Mais non, ouais, celui-là me braque avec un flingue. Hein. Oh, mais il peut pas, et puis c'est surtout qu'il ne peut pas savoir que toi, tu es là. D'accord, bon, donc. C'est effectivement, si je sens que la situation est autant tendue que ça, j'aurais fait le truc de gratter, quoi, tu vois. D'accord, ok. Éventuellement, on considère que tu l'as fait, puisque c'est ce que je disais, c'est que la situation était bel et bien tendue. Donc je vais t'accorder. Je vais m'accorder à moi un malus de 20% à la vue de. Ah, complètement. T'as la valise. Oui, moi c'est-à-dire je que le mec, pour réagir devant toi, j'ai un malus de 20%. Et attends, vas-y. Parce qu'il y a un truc, qu'on n'a pas prévu. Si ça se trouve, j'ai plus de balles. Non, logiquement j'ai des balles. Ouais. Logiquement les armes font des machins. Tire, donc j'y vais. Ouais. Donc je fais quoi comme test? Un test de tir. Combat. Un test de tir. Ouais. Donc c'est 65 et j'ai une arme donc c'est 75. Absolument. Allez. Et donc j'ai un malus parce qu'il y en a deux à faire dans la foulée ou pas? Déjà fait le premier. Et oui, le deuxième t'auras un malus. 50. Donc 50. Ça passe. Je vais faire un test. C'est quasiment que de la réussite critique. Absolument. Ouais. Moi pour réussir. Non, c'est pas possible. 55. Il le voit pas arriver. Tu réagis en éclair, tu réagis, sachant qu'il avait entendu des bruits qui grattaient derrière. Et ça part. Le coup part. Il tombe au sol. Et le deuxième, tu vas me faire un test avec un malus de 30%. Sachant que lui va devoir réagir. 30%, donc 75, ça fait 45. Absolument. Oh putain! Allez go. Allez, je lui dis où tirer. 81. Oh, yes. 81. Donc tu t'apprêtes. Non. Non mais pourquoi tu veux à chaque fois que je meurs? Lui, il tombe au sol. Hein. Au moment avant de pouvoir braquer l'autre, il y a l'arme qui te pointe directement. L'arme. Est-ce que je peux faire un truc? Vas-y. Je veux foncer à travers le mur et essayer de passer à travers comme Batman. Très bien. Ça peut le surprendre. Alors, par chance, alors Fred, tu as vraiment une chance incroyable. C'est que comme la paroi est poreuse, t'as vraiment un bonus. T'as le bonus de porosité. Donc, c'est dommage parce que c'était badass quand même. Je veux passer à travers le mur, faire une roulade, attraper son arme et lui tirer dessus. Le tout en maintenant ta tasse de café. Tu essaies de traverser le mur, hein, tu le peux, puisque vraiment le bâtiment. Si je rate, ça fait. Et il meurt, tu sais, il meurt la tête la première dans le texte. Alors, fais-moi s'il te plaît. Alors, par contre, je te préviens, Fred, tu vas faire ça, mais quoi qu'il arrive, tu vas être blessé par le bois, tout ça. Donc, on va considérer que tu passes la paroi. Non, c'est une risque. Ah, si tu veux jouer à ça, par contre, l'échec critique fait que tu t'empales. Tu vois. Ok. Moi, je dis ça joue. J'utilise mon talent débrouillard qui augmente de 10% mon bonus dans n'importe quelle situation. Très bien. Mais débrouillard voilà. Traverse un mur, oui. Alors, par contre, échec critique. Si, voilà, exactement. Si tu utilises ce talent, t'as un bonus d'échec critique. Après, c'est pas genre je m'empale, c'est plutôt juste je m'éclate la gueule, quoi, c'est en fait ça. Non, mais c'est ouais, genre mais t'as du bois qui te. Voilà, exactement. Vas-y. Ok. On se la donne. Allez. Allez. 48. Qu'est-ce qu'il y a? Ça passe. Oh, ça passe. Alors, t'as. Non, si, ça passe. Ça passe. Avec de mon bonus, ça. Avec ton bonus. Avec mon bonus débrouillard, ça passe, parce que j'ai 40 plus 10, donc ça fait 5 ans. Très bien. Nickel. Alors, tu traverse le. Non, pas encore, parce que pour l'instant, il y a toujours le mur. Moi, j'attends qu'on mette à jour le plan et qu'on voit plus le mur. Très bien, ferme les yeux. Tu, à ce moment-là, ouais, tu traverses
Et évidemment, personne ne s'attendait à ce qui se passe. Tu traverses la paroi, tu es blessé, hein, tu, comme j'ai dit. Donc, tu as le bois qui t'arrache une partie des épaules. Au moment où tu traverses cet endroit, donc, tu arrives par là. Lui, il est quasiment dead parce qu'il s'est pris. Et tu arrives là. Lui, il va essayer de te tirer dessus. Il a, un malus de surprise. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui traverse. Voilà. Donc, il va tirer sur l'un de vous trois au hasard. Ça va être moi. Parce que le plus proche. Il va tirer sur le plus proche. Il est pas. C'est un militaire. Donc l'idée c'est d'écarter le danger le plus proche. Et donc il va tirer sur toi, Warren. Et il a un malus de 20% pour la surprise. Non, allez. Portant, quoi. Donc, ouais, bien sûr. Donc j'ai 40% de chance avec le malus de surprise. 71. Et il me rate et il tue Scarlet. 71. Il tire à côté. Il tire à côté. Les zombies se retournent vers vous à force de l'échauffourée. Voilà. Il se retourne vers vous. Là, les zombies s'approchent. Il est ici. Il commence à reculer. Warren, tu as entendu une balle siffler sur le côté de ta joue. Scarlet, tu as la valise que tu peux utiliser si tu veux comme rempart. Anthony, tu as les bras en sang quand tu arrives là. Et surtout, tu passes à côté du militaire qui avait une arme à feu. Attends, moi, il a tiré sur mon frère, fils, machin. Est-ce que je peux me servir de mon couteau comme d'un couteau de lancer? Bien sûr. Bah, je lui lance un couteau en pleine tronche. Ça te rappelle cette époque où ta fille était encore vivante hein? Exactement. Bon, Gabriel. Tu veux dire, il y a une heure? Alors. Vous lancez l'initiative. Pour l'initiative, on va procéder à ça. Deux d'entre vous vont pouvoir agir avant les autres. Décidez qui? Il faut que je saisisse l'arme, moi. Donc, Ouais. Okay. Et il faut que Scarlet lance son couteau. Ouais, moi, il faut que je lance mon couteau. Très bien. Tu as l'arme. On va s'occuper des deux zombies, là. Fred? Ouais, 30% quand même. Scarlet, lance ton couteau. Donc c'est compétence de tir aussi? Absolument. Et si tu rates, ça veut dire que tu lui donnes un couteau. Ouais. Bon, on va voir. De toute façon, je lui donne un couteau dans les yeux. Allez. 30. Allez. 38, oh non! Mais si, parce que c'était coordonné avec Fred qui ramasse l'arme de l'autre, donc plus 10. Ça, je laisse Maillard en juger. Non, c'était de l'enfumage. Non, ça marche pas. Le couteau passe à côté, t'as 30% de chance. T'es pas militaire, je te rappelle. Oh, Gabriel! Et bah, du coup, j'utilise mon arme pour tirer sur machin. Ok, vas-y. Mais comme tu as déjà ramassé l'arme, donc c'est déjà un début d'action, tu vas faire ton test avec un malus à 10%. Parce que tu peux pas faire 15 000 actions non plus. Donc vas-y, j'utilise encore ma capacité débrouillard. Vas-y. Tu augmentes 10%, donc ça annule, ça fait 30. Mais pourquoi débrouillard? Tu tires avec une arme, c'est pas débrouillard. Non, sérieux. Et je fais tirer en flingue. Et mesdames et messieurs, il nous a tués tous les deux là. Si je les tue tous les deux, tu tires. Si je les tue tous les deux, je veux juste dire au mec de l'étoile de plage, ça y est, je suis avec vous. Prenons les valises, barrons-nous. Récupérons ces toiles et barrons-nous. Alors en effet, je te rappelle que tu es ici, que tu es blessé, que le champ, c'est ça, de tir. Ouais. Tu as fait un échec critique. Donc, je te laisse. Voilà. Je vous rappelle qu'il y avait l'indice de menace. Donc vous le saurez pour les prochaines fois, si vous voulez réussir un test. J'aurais dû faire ça pour mon couteau. Ah ouais, mais maintenant vous le saurez. Donc, du coup, tu vas lancer un dé de 2, je t'en prie. Fred, un dé de 6, lance un dé de 6 pour que ça apparaisse à l'écran. 1, 2, 3, Bruce, 4, 5, 6, non. Jérémy. Non, attends, non, 1, non, 2... non. Alors, Maillard. Ouais. Moi, j'ai envie de dire un dé de 6, on va dire par exemple 1, Jérémy, 2, moi, 3, Edge, et 4, 5, 6, rien. Parce qu'il faut pas déconner, il va pas exprès nous tirer dessus non plus. Non. 1, 2, toi, 4, 5, Jérémy. Non, 1, 2, toi, Bruce, 3, 4, Jérémy. On peut tromper une fois, 5 une personne. 5 le militaire, 6 rien. Là on arrive à un compromis. Alors dans ce cas, je veux qu'il y en ait un des 6 qui se tire une balle dans le pied. Non mais bon. Oh 5 oh là là. Oh là là. Oh non.
Oh, je te. Oh, oh, le... Mais jamais j'aurais dû t'écouter. Jamais. De l'échec critique. C'est vrai, jamais. Transformer un échec critique en succès mais critique. Mais pourquoi je t'ai écouté? C'est parti. Oh, l'arnaque. Entre les deux yeux. Oh, l'arnaque. Je te déteste. Ne pas. Tu me refais plus jamais ça, Bruce. Tu me refais plus jamais ça. Ah, mais jamais. Je vais te défoncer. Mais les zombies, ils arrivent, ils se multiplient. Tu sais, comme dans Zombicide, ils savent pas quoi choisir comme direction. Ils prennent, ils se multiplient du coup. Très bien. Alors, est-ce que c'est à moi de jouer maintenant, du coup? Non. Oui, avec un malus de 50, mais je veux pas faire de GT. Oui, mais t'as un malus, quand même. Donc, en fait, tu réussis, tu tires dans tous les sens, Fred. Tu là, tu vides le chargeur, hein. Tu vas faire quoi avec ça? Y'a plus de balles. Tu vides le chargeur. Eh, hey, sois pas en colère comme pour moi aussi, je voulais les buter. Hein. Oui, mais t'as fait un échec critique. Tu vides le chargeur et c'est la dernière balle qui touche le gars. Mais qui le touche? À un orteil. C'est je qui le blesse. Et à force de tirer dans le mur, il y a un pan du mur qui se détache et qui tombe sur la tête. C'est exactement ça. Et donc, il prend une balle et il tombe. Il s'écroule. En fait, juste après, je rengaine mon arme et je... C'est exactement ce que je voulais faire. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Très bien. Parfait. Regarde et je le dis. Merci. Parfait, parfait. Donc, tu n'as plus de balles, tu as un fusil d'assaut par contre. Lorsque la poussière retombe, il y a la voix de Théo qui s'élève. En même temps que les zombies qui se rapprochent par là. Hop. Donc c'est à moi ? Ouais. Et il est en train d'agoniser, le Edge. Bah, si c'est à moi, les deux zombies, je les bute coup sur coup avec l'indice de menace. Mais non, mais t'en fais deux. C'est-à-dire que t'en fais deux. Ce ah bah ouais. Deux tu veux vraiment essayer ah bah deux indices? Mais ouais. Non, pas pour... Mais non, mais t'as un... Attends, mais c'est un salaud. À la Coluche, c'est Joker. Non, mais tu te rends compte que tu joues avec... Que tu pénalises l'équipe. Oui. Mais non, on en a chacun deux. Mais non, on en a pas chacun deux. C'est on en a une jauge de menace. Ah oui, bien sûr. Une jauge de menace de 3 pour tous. Autant pour moi. Alors dans ce cas, j'en utilise aucun et je bute les zombies. Mais alors, mais je vais y aller. Ils sont de toute façon... Ils ont encore des jambes ou pas? Ils sont debout? Oui, bien sûr, ils s'approchent. Bon bah écoute, moi j'y vais franchement, je sors un couteau et puis j'y vais au couteau, à coup de pied, à coup de poing, à la marave générale. Très bien. Dire, peut-être pas utiliser toutes nos balles, enfin on va faire un peu de bruit, mais en même temps il y a Fred qui vient de déclencher le... Bah oui. Attends. Abat-toi. Il a... Moi je voudrais lui lancer l'arme en fait directement. Ouais, juste après, tu sais, l'arme encore fumante, il se retourne et il la lance comme ça sur les zombies qui se plantent sur la tête. Mais ça serait extrêmement badass si ça réussissait. Bah allez. Et moi je vais me jeter sur le. À 10% de chance. Bah, à 10% de chance. Moi je prends celui-là. Voilà, moi je prends celui-là. Moi je prends le truc le plus compliqué, je me jette sur le militaire et je lui dis on menace pas ma famille. Oh putain. 88. Non. Je lance l'arme sur Théo qui tombe de l'arbre. Mais t'as pas vu Théo non plus. Il vide son chargeur, donc il y a Edge qui meurt là-dessus. Puis juste après, il lance l'arme de manière nonchalante sur le coin de la pièce. Parfait. Moi, nickel. Donc okay. Moi, c'est quoi comme test? Fais-moi un test de combat, au corps à corps. Un test de combat au corps à corps. Allez. Maintenant, je vous explique là, par même timer que tout à l'heure. À la fin de ces 2 minutes, si vous n'avez pas quitté la map, vous allez avoir trop de créatures qui vont arriver ici. D'accord. Vous avez fait tellement de bruit. Tellement de bruit. Ah ouais. Boum ! Oh là là ! Oh, l'insolence. Si, qu'est-ce que tu vas faire, Maillard ? Qu'est-ce que tu viens de nous inventer ? Ah bah, je vais changer de map et je vais te défoncer la gueule. Vu que l'autre, il est mort, moi, je veux prendre son arme. L'autre, je lui dévisse la tête au zombie. Très bien. Vous le finissez par vous occuper des deux créatures qui sont là, grâce à la technique de diversion finement réfléchie de Fred, qui consistait à faire du bruit derrière les zombies en lançant son arme. Car oui, monsieur, ça fait déjà depuis 30 minutes qu'il avait réfléchi son plan avant qu'il traverse le mur. Vous finissez par... Je suis Batman. Avec les épaules en sang, tu sais, qui font... Oui. On est d'accord que Edge est mort là, hein, parce que pour l'instant il est pas marqué comme mort encore. Ouais, il est en train d'agoniser. Moi j'ai dit que j'allais prendre son arme là, ça fait 3 fois que je dis que je vais prendre son arme. Ok, moi, je me dirige vers Théo et je fais allez saute.
tu fais un test. Et là, il fait Pilao. Bon, bref. Non, vas-y, pardon, pardon. Vas-y. Il y a Théo qui. Tu veux vraiment qu'il saute dans les bras? Tu fais un test d'agilité pour le 6e. Ouais. Ok. Descendre. Vas-y. Fais un test d'agilité. Tu utilises un 10 de menace. Il va se péter la jambe. Non, non, attends, parce que ça va. Là, on... il reste plus que 30 secondes. Ouais, ce serait bien là. 96. Et moi je l'ai pas vu encore Théo. Et c'est drôle parce que moi je savais pas qu'il y avait Théo. Je savais pas qu'il y avait Théo et là je le vois qui va tomber la tête de la première et qui va tomber. Non, il va juste se péter la jambe quoi. Attends, t'as fait chier d'ailleurs parce qu'il va bien trouver. Non mais attends, là il tombe d'un arbre, c'est bon. Soit il meurt, juste il se pète la jambe, c'est tout. Tu sais le truc de Bibi et le coyote. Attendez, c'est un arbre, c'est pas non plus un truc. Ah, mais tu tombes la tête la première d'un arbre, tu décèdes. Pourquoi veux-tu qu'il tombe la tête la première? Je ne sais pas. Attends, là, non. Là, Théo ne tombe pas, il saute. Ouais. Oui, mais. Donc il saute pas la tête la première, il est pas con, il va pas plonger. Bah, non, mais c'est juste que. Comme ça. C'est juste que toi, tu le rattrapes comme une merde, c'est tout. Non. Alors, vas-y, Bayard. Donc, ce qui se passe, il a fait 96, et cette fois-ci. Cette fois-ci, Warren. Le téléthon. Le théoton. Très bien. Je vous rappelle le discours de solidarité de l'ascenseur. Hein. Il faut que personne d'entre nous ne meure, restez solidaires. Parfait. Alors, j'ai glissé, du coup, chef. Warren et Anthony arrivent. Anthony. Invective, Théo, pour sauter, il tend les bras. Toi, tu remarques du coup que Théo bondit au niveau de Warren. Et du coup, tu pousses Warren, tu fais « J'ai !» Et moi, je me retourne pile à ce moment-là. Il y avait gêne. Moi, je me retourne pile à ce moment-là et je vois qu'il y a Théo qui était là, en fait, depuis le début. Tu vois, j'ai Théo juste en train de tomber. Voilà, c'est ça. Quoi? Et il tombe et vous entendez un craquement lourd. Et la douleur est si intense que... Il gueule. Non. Il se rend pas compte de sa douleur. C'est-à-dire qu'il y a le tibia qui sort dans un sens qui n'est pas extrêmement génétiquement normal. Et, ah bah, faut faire attention, dis donc. Oh putain, c'est pas possible. Je te trouve quand même très maladroit. Putain. Et donc, du coup, tu te retournes, Skaren. Parce que tu t'approches pour récupérer. C'est ça, hein? Pardon? Tu t'approches, tu te retournes. Théo. T'entends la voix de Théo? Oui. Attends, je t'explique, Skaren. Tu t'es approché. J'ai du mal. Tu t'es retourné avant de récupérer l'arme? Non, il a récupéré après, l'arme. Non, j'ai récupéré l'arme. Tu récupères l'arme, tu vois qu'il te lance quelques insultes avant de rendre son dernier souffle. Il te dit que tu es condamné de toute façon et que. Et qu'ils vont te retrouver, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre, et ils vont récupérer les éléments de la toxine. Je te regarde dans les yeux et je lui fais kill this day. Et à ce moment, t'entends. Tu te retournes. Et je me retourne. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Mais vous êtes complètement con! Oui! T'as le sourire de Fred, vous êtes complètement con! C'est la vie! Après, il mourra pas, ils sont solides à cet âge. Ça se ressouvient bien, franchement, ça va quoi. Très bien. Quelle idée de se péter la jambe pendant la comédie. Qui va essayer de le soigner? Ça, c'est pareil. Bah mais moi, c'est vrai, mais ouais, il y a une sorte de cohérence. Mais oui, monsieur. Moi, je bois les fioles. Attends, je vous entends dans la manette, j'en ai marre. J'ai retiré mon jack pour une raison. Moi, je veux bien pour faire plaisir à Maillard. La chaise veut pas m'avouer. Hop. J'arrive, je me mets à quatre pattes sous le bureau et j'arrive. En live. Ah, depuis le temps que j'attends ça. Titre. Quatre pattes sous le bureau. Explication. Titre. Très bien. Hop, je vous entends de nouveau. Titre. Je me mets à quatre pattes sous le bureau, j'arrive. Très bien. Comme parfait. Ah, mais moi j'ai encore mes deux jambes, moi, monsieur. Donc ce que je fais, c'est que je chope une branche d'arbre et j'essaye de faire une attelle et de réduire la Vas-y, fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît.
putain. Moi, je lui dis comment faire une attelle pour pas qu'il fasse un échec critique. Donc est-ce que tu utilises l'indice de menace ou pas? Non. Moi, je lui dis comment faire et je peux lui... Voilà. Donc, j'ai 60 plus 10, donc de trucs coordonnés. Ouais. Vas-y. Mais voilà, tu fais ça rapidement, vous partez immédiatement, t'as pas fini le soin. T'as pas du tout fini le soin parce que il y a les créatures qui arrivent en masse, qui se réunissent autour, et que vous avez juste à peine eu le temps de faire sauter Théo. Et de cette manière, parce que mine de rien, dans le négatif, messieurs, il faut voir le positif. Et le positif est le suivant. Vous avez gagné un temps précieux en accélérant son retour parmi vous à Théo. C'était vraiment une très bonne idée. Ah, en sortant, je donne un coup de pied à Edge. Voilà, On vous aura. Mais je lui donne un grand coup de pied dans la tronche pour qu'il décède une bonne fois pour toutes. Mais il est décédé déjà. Mais non, il est en train d'agoniser là. Tout à l'heure, il a dit son dernier souffle, etc. C'est bon, oui, mais c'est son avant-dernier. Il a combien de derniers souffles? Il en a plein, monsieur. Toi, t'as pas besoin de te battre et t'as pas besoin de tirer, donc il vaut mieux que tu sois avec le petit. Puis c'est ton petit-fils. Hein. Oui, bah merci. La solidarité, j'ai dit, putain. Bon, d'accord. Et je donne du coup le flingue à Fred. Et la valise, okay. Du coup, tu peux pas la garder. Oui, bah la valise. À Fred aussi. Fred, t'es ok pour la valise? Qui veut la valise? Ah non, moi je porte que le flingue, moi. Alors je prends la valise. Oh, bah voilà, Bruce, vas-y. Mais non, mais vas-y, donne-moi les deux. Je pense que je peux prendre une valise et un flingue. Je prends la valise, oui. Je jongle avec la valise et le flingue. Vous arrivez donc, vous avez traversé la baie des containers. Donc c'est un endroit un peu plus en amont, après avoir très difficilement progressé. Et le fait d'avoir progressé avec quelqu'un de gravement blessé, à qui il faut prodiguer des soins rapidement parce que, voilà, la chute n'était pas mortelle, mais la chute va entraîner des complications. Et donc, ce qu'il y a, c'est que, étant donné que vous avez évolué lentement, les zombies, eux, ne sont pas si loin de vous. Est-ce que ça fait mordre le petit Théo, là? Il était dans l'arbre. Oui, mais on sait jamais. Avant, j'en sais rien, moi, un truc. Déjà vérifier, lui demander s'il a été mordu. Précaution de... Première précaution, quoi. Non, où est maman? Tiens. C'est là que dans Des 3 Become Human, t'as un qui fait de dire la vérité ou mentir, tu sais. Où est maman? Elle est décédée. Écoute, chaque chose en son temps, tout va bien. Elle est morte. C'est okay. Qui Théo en fait? C'était le fils de Gabriel? Oui. C'est mon petit-fils. Fais-moi un test de stress avec un malus. Ah. Ça c'est bon. Hein. Le 24, allez. De 40. Eh bah c'est bon. Tu pouvais même faire 50 si tu veux. Ah, elle est morte. Ah. Qui ça? Ah, Gabriel! Non, elle est morte. Très bien. Donc du coup, tu arrives à maîtriser la situation en faisant... Franchement, elle est encore en bas, elle s'est faite mordre. Franchement, c'est... Franchement, on n'était même pas sûr qu'elle était morte et on l'a laissée quand même. Elle doit être en train de manger... franchement, ta mère, à cette heure-ci, doit être en train de manger quelqu'un. Elle est à table. Pas que, voilà. Non, bah, très bien. Donc, du coup... Maillard, moi, j'ai juste une question. Cette zone-là, est-ce que c'est une zone que a priori on connaît? Bien sûr. C'est ce que j'étais en train de dire, c'est que on n'est pas loin de la baie des containers. Donc c'est un endroit qui permet à les squads alpha d'entreposer des containers avec de l'équipement et de faire transiter du matériel jusqu'au continent et de mettre ici les ressources à l'arrière. Vous pouvez perdre du temps encore plus pour fouiller ici les containers, mais vous avez déjà perdu beaucoup de temps et les créatures sont pas loin. Maintenant, donc, Théo est sous le choc. Théo est sous un choc contrôlé. Va falloir vite trouver un échappatoire parce que... Allez, Théo, on fait la course. Le premier qui gagne, le premier qui arrive à faire... Donc, on trace, hein. On trace jusqu'au bout, puisqu'au bout, il y a un bateau et tout, quoi. Il y a juste une pièce avant l'embarcadère. J'aimerais bien fouiller la caisse qui est dedans. D'accord. Très bien. J'aimerais bien être entre vous deux quand même. Pour qu'il y en ait un qui regarde derrière parce qu'il y a. On sait jamais, il peut y avoir des zombies qui viennent par la gauche aussi, quoi. Ouais, mais disons que c'est. Lentement. Moi, c'est surtout ceux qui vont nous surprendre devant qui vont être compliqués. Et je préfère être entre vous deux plutôt que fermer la marche. Il
arrivent. Ils ne sont pas loin. Tu fouilles cette caisse. Et donc, du coup... Attends, du coup, je parle bien de la caisse qui est tout au bout de l'embarcadère. Hein. Tout au bout. Juste à côté du bateau. D'accord. Donc, je vais laisser... Je vais laisser le choix aux gens de décider ce que tu vas trouver. D'accord, donc, mais donc pour l'instant, on avance ou pas? Absolument. Pour l'instant, donc on avance, vous allez avancer. Sans problème, sans croiser personne. Alors, j'ai pas le... Jérémy n'a pas le token Théo. Ouais. C'est vrai? Je vais te le donner. C'est pas grave, il est foutu. Non mais laissez-le. Laissez-le justement. Je le fais en... C'est un leurre. Alors, tu as... Skyrain, hop. Je le fais en barricade. Voilà, c'est bon, tu peux le... C'est bon. Tu utilises comme bouclier. Pareil que ça marche bien. Donc... Les zombies, c'est ces espèces de lamentins qu'on entend. Là. Vous allez choisir... C'est la caisse aux bouilles. La caisse aux bouilles, il y a un crâne dessiné dessus, ça peut être qu'un bon signe. Absolument. Warren, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Oh putain, ça y est, il va nous faire popper 2000 monstres. Merde, j'ai oublié de récupérer le couteau. Attendez les gars, on fait demi-tour, c'était le couteau de mon grand-père. Perception, j'ai 80. Vas-y. Donc, du coup... Attends, parce qu'en karma, j'ai 85. Pardon. Moi, j'ai pas relancé un dé, tu savais pas. Bon, bref. Tu avances. Ouais. À ce niveau-là. Lorsque ça, tu arrives ici. J'ai pas vu ta pingue. Tu arrives ici. Donc, tu es complètement exposé. Là où je suis. D'accord, ouais. Anthony, tu fermes la marche? Oui. Tu fais quoi? Oui. D'accord. Donc, t'es pas devant Scar, tu fermes la marche. Très bien. Non. Tu es le seul qui est, finalement, qui est protégé comme tout à l'heure dans la maison. C'est ton bien. Tu vas voir que c'était mieux d'être derrière. Il y a juste ici. Un ninja? C'est de ta faute. Une femme qui. Braque son arme sur toi, Warren. Ne bougez plus! Ou je tire! N'avancez plus! C'est une sommation réelle, je ne dis pas ces paroles en l'air. Si vous avancez, qui que vous soyez, je vous tire dessus. Restez où vous êtes. Ok, on reste où on est, ça va, du calme. Dis-moi de me calmer. On va partir. On n'a rien contre vous. Mais on s'en va maintenant. Bah, on va s'en aller tous ensemble, ça va être non, très bien. Non, il y a pas de place pour tout le monde. Bah alors vous allez rester là et puis nous on s'en va. T'entends un clac de son arme qui se recharge. OK, elle est à quelle distance là? Moi j'ai une c'est-à-dire que est-ce qu'elle est genre complètement barricadée derrière la caisse ou genre elle est debout, je la vois bien? Non, elle est en protection derrière la caisse. Elle est à couvert et toi tu es complètement découvert. Peut-être point strat ou pas? Vous non, c'est quoi non? Alors, vous avez un petit garçon qui est blessé. Point strat, j'accepte. Point strat. Hein. Mais je mets le timer. Vous avez droit à 2 minutes, grand max, de d'accord. Point strat. Il y a le timer qui apparaît en quad de l'écran. Je ne dis rien, sauf si vous sollicitez une question, mais ça vous fait perdre du temps supplémentaire. Comme par exemple, là, je suis d'accord. En train de continuer de meubler. Bon, alors, et en fait, je suis en train de... Bruce, si tu tires sur la madame, ça fait peut-être pas la bonne impression par rapport aux autres membres de l'équipage. Je dis ça. C'est vrai. Et on a sûrement pas être toute seule, du coup. Non, essaye la pitié. Et au cas où, tu dis qu'on est des scientifiques et qu'on a trouvé le secret pour résoudre le problème de l'apocalypse. Oui. Même si on a l'antidote et on est prêt à le monnayer pour pouvoir nous barrer avec eux. En étant parfaitement conscient qu'ils nous laisseront pas vivants et que donc quand on sera plus proche et en meilleure situation, on demandera à Skaren de les désinguer. Utilise l'enfant d'abord. Donne-moi d'abord l'enfant. Puis s'il y a vraiment que 3 places, on laisse Théo sur la rivière, il adorerait pêcher. Non mais de toute façon c'est pas sain de l'éloigner trop de sa mère. C'est ça. Oui bah on fait bien d'utiliser à 100% notre point strat. Du coup qu'est-ce qu'on fait, l'enfant? Qu'est-ce qu'on dit? Utilise le gosse. Utilise le gosse si ça marche pas, ouais, on lui dit qu'on a le remède. Ok. Alors, donc du coup qui va faire ça? Il va falloir faire un test de stress pour valider la discussion avec stress avec un malus. Test de stress, moi j'ai 50 hein.
Moi je veux bien. Moi j'ai 80. Moi j'ai 80. Je veux bien faire le truc. T'as 80 en stress? Ouais, j'ai 80. Ouais, je veux bien que Fred le fasse. Alors je veux bien que Fred le fasse, mais avec un malus. Ouais, mais alors moi je veux bien que Fred le fasse, mais par contre il s'en tient au plan, il commence pas à la traiter de tous les noms et à dire qu'il en a rien à battre. Alors écoutez, espèce de grosse. Mais non, je vais dire, vous ne pouvez pas nous laisser ici, nous avons un enfant qui est blessé et qui a besoin de soins. Il n'a pas été mordu, mais il s'est malencontreusement blessé en trébuchant. Il a trébuché vilainement, très vilainement. Si nous ne pouvons pas sauver, si nous ne pouvons pas sauver ainsi les jeunes de cette génération, alors nous ne méritons pas de survivre. Maintenant, tu fais le test. Maintenant, tu fais le test. Comme je t'ai demandé de pas faire le test, tu fais le test maintenant. Donc on est d'accord. 80. Tu fais le test deux fois. 19. 19. Tiens. Absolument. Oh là là. Ouais. Non, non. C'est légit. C'est légit. Tiens. Donc, du coup, tu dis ça. Écoutez, il y a de la place uniquement pour pour deux d'entre vous. Il y a de la place avec l'enfant. Vous savez, en plus avec une jambe en moins, ça prend moins de place. Je vais continuer dans le truc. Nous okay. sommes des scientifiques et nous travaillons depuis des années sur la résolution. Dépasse ton token. Essayer... Bah au pire, sinon on les accompagne jusqu'au bout et on verra. Nous sommes des scientifiques et nous travaillons depuis des années sur la résolution du virus et nous avons trouvé des points essentiels qui nous permettraient de créer un remède et voire même un vaccin pour pouvoir renverser cette maladie. La piste de la toxine contre la pandémie, elle donne quelque chose? Vous savez? Oui. Ah mais ça y est, on touche au but. Nous avons trouvé la solution et nous sommes tous les trois scientifiques. Nous pouvons renverser la vapeur et nous pouvons sauver l'humanité. Mais vous devez nous laisser monter sur ce bateau tous les trois. Enfin, tous les quatre avec le gosse. Je vous ai dit, on peut pas. Je bouche les oreilles de Théo et je dis... Ma fille, c'est ça. En bouchant les oreilles de Théo. Ma fille, c'est ça. Mais quelle ordure, ce Jérémy, mais... Oh, qui appuie sur le bonus de pitié Oui. Le bonus de pitié qui a... Tu peux faire un test ou pas ou... Oui, c'est bon ouais. déjà. Non, non, t'as... Ouais, c'est bon, ah merci. T'as droit à un bonus supplémentaire. T'as un bonus de 10% avec la réussite de... Pitié. La réussite, okay, la réussite 80, de Fred. Ouais. Tu as un bonus de 10%. Je suis tellement peur. 50, allez. 50. Ça passe. T'as allez. Des poules, hein. Personne n'est mort pour l'instant, Maillard. Allez, pour l'instant. Je vais dire, qui êtes-vous? Vous êtes une militaire? Quel est le rôle du militaire? Est-ce que vous pensez que vous pourrez résoudre cette pandémie à vous tout seul? Non, mais nous pourrons. Nous avons aussi des scientifiques dans l'embarcation. Mais est-ce que vous... Oui, c'est nous. C'est oui. nous les scientifiques. Vos non, moins bon que nous. Vos scientifiques ont peut-être résolu le problème. Nous l'avons résolu. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette chance? Ta force, ta différence. Je ne peux pas, je leur ai promis de les protéger. Écoutez, il va falloir, on a tous sacrifié des gens. Regardez, vous avez perdu votre fille. Attendez, moi j'ai juste une question à poser à la demoiselle, ouais. là, qui est charmante au demeurant. Je vois que vous avez un petit bateau qui supporte dans 4-5 places, etc. Ça veut dire que vous avez sans doute un plus gros bateau plus loin. Nous allons rejoindre probablement des gens, nous allons partir, nous allions probablement partir rejoindre une île pas loin, mais en tout cas, on n'a pas de la place suffisante ici, là-dessus. Mais est-ce que vous avez suffisamment de carburant pour faire deux allers-retours? Sûrement. Voilà, donc vous partez avec une partie de notre groupe, et vous revenez nous chercher ensuite. Vous avez trois places, je reste. Bon, par contre, vous revenez. Mais pourquoi tu te sacrifies comme ça? Mais je me sacrifie pas, ils vont revenir. Mais non, ils vont pas revenir, les zombies ils vont venir te bouffer. Mais les zombies vont mettre 6h15 à faire les 20 mètres là. Bon bah vas-y. Non, vas-y pas. Qu'est-ce que tu dis, Warren? Non, il est hors de question que je laisse une seule personne ici. Skaren, je pense que tu nous colles la poisse. Oui. Peut-être qu'il faudrait que tu restes sur l'embarcadère. Écoutez, je suis désolé. Elle braque le flingue sur vous. Deux personnes vont devoir rester ici, comme je vous ai dit. On peut éventuellement... Non, t'avais dit trois places, mais non? Mais oui, j'avais réussi mon test. Voilà. On va devoir se serrer. Non, il avait dit deux.
mais bon, la gamin, ça compte comme une demi-place. Ok, donc Anthony, quand on arrive devant le bateau, tu me files ton flingue, vous y allez, puis vous revenez me chercher. Hein. Oui. C'est pas une bonne... Je compte sur Fred. Oui. On reviendra. Ok. Quand on aura soigné l'humanité. Tu dis quoi, Warren, aux autres, avant qu'ils partent. Mais attends, est-ce que déjà on peut avancer jusqu'au bout? Parce que j'aimerais bien quand même fouiller cette caisse là. D'accord, très bien. Et donc. Là là là, on marche vachement vite maintenant. 51% de chance de tomber. Sinon, comment vous vous appelez, mademoiselle? Voilà. Élise. Appelle Élise. Voilà, donc je loot. On avance. Par contre. Ok. Vous non, mais attends, je vais dire au revoir aux autres d'abord. Vas-y, je t'en prie. Laisse. On va tous nous pousser dans l'autre. Bon. Les gars, n'oubliez pas, nous sommes tous des rivières. C'est notre nom de famille. Au cas où, voilà, c'est au cas où vous l'aviez pas. Donc, on a perdu suffisamment de sang. Je ferme aujourd'hui très discrètement les oreilles de Théo. De toute façon, il est dans les vapes. Pour l'instant, on a sauvé le plus vieux et le plus jeune. Pour l'instant, on apparaît à l'essentiel. Cela dit, j'ai rien contre le fait de survivre aussi, donc il y a moyen de faire un aller-retour pour venir me chercher. Dans pas trop longtemps, ce serait cool. Donc on se dit pas adieu, on se dit à tout à l'heure. Vous les connaissez pas. Toi, par contre, vous reconnaissez une autre personne qui se sent pas bien, qui est fiévreuse, qui est dans le coin, qui est une personne que vous avez régulièrement vue dans le complexe, dans l'arche. Ce que vous avez appelé l'arche, le laboratoire. Oh là, mais vous avez un malade là sur votre bateau. Ouais, il se sent pas bien. Est-ce qu'il a été mordu? Non, on a vérifié, il a pas été mordu. On a vérifié. Nous aussi, nous avons pensé qu'il y avait quelque chose, mais... Vous avez vérifié genre partout? Oui, aucune raison à ce qu'il soit mal. D'accord. Et qui sont les deux autres personnes? Et vous, là-bas, je vais m'adresser aux deux autres personnes. Nous sommes trois scientifiques. Nous avons trouvé le remède qui permet d'arranger et de sauver la Terre de cette pandémie mondiale. Mais nous avons besoin de monter tous les trois sur le bateau. Est-ce que vous accepterez de nous laisser monter à votre place, sachant que nous reviendrons vous chercher d'ici 10 minutes, le temps de faire l'aller-retour? Tous les quatre, si possible. Et à gauche, c'est le guide du routard, quoi. Ouais, non, c'est... Un petit jet social. Non mais attends, Fred, moi je suis un militaire. Ces personnes sont manifestement pas des militaires, si elles sont pas entraînées, elles vont pas survivre 10 secondes. Mais on s'en fiche, l'essentiel c'est que tu montes dessus. Ok. Titre. Fais-moi un test à moins 30%, sans autorisation d'indice de menace, parce que ça serait trop facile pour de quoi, annuler le 30%. D'intelligence ? De stress. Intelligence. Ouais, pour lui émettre. La femme, elle dit « Je suis enceinte ». Oui, elle l'enceinte en plus. 85, elle l'était aussi. Ah, il y a de descendre de ce bateau, espèce de pute, là. Oh, tu descends du bateau. Okay, donc, tu vois, même toi, tu trouves les limites de ton argumentaire. Parce que c'est pas comme si vous aviez fabriqué un schéma mental de votre théorie dans votre esprit, chacun compartimenté en puzzle, qui fait qu'ensemble, fusionné, vous inventerez la toxine en question. Vous finissez par embarquer avec Théo ici sur le navire. Anthony, est-ce que tu lui laisses une arme ou pas? Bah oui, il me laisse son arme. C'est lui, à lui de répondre. Oui. Et... Je te laisse pas les munitions, par contre. D'accord, merci. Tout le monde est gagnant comme ça. Tu restes ici, Warren en retrait. Tu as trouvé, en fouillant dans les caisses, des éléments de soins. Ah. Et Scaren, donc, t'es là, à l'intérieur. Et quand vous arrivez, quand vous embarquez, il y a la personne que vous connaissiez qui commence à convulser et qui va pas bien du tout. Oh, mais pourquoi t'as fait le flingue? Balancez la barre de sport. Il fait ce que vous pourrez analyser, vu que vous êtes des scientifiques, faites-moi un test d'intelligence, ceux qui sont dans le navire. En fait, je vais être le seul à survivre. ça passe pas du tout. 45, ça passe. Très bien, il semble faire une sorte d'attaque cardiaque.
Et alors que le navire commence à partir, il convulse dans tous les sens. Il faut essayer de lui faire un massage cardiaque là, alors que le navire quitte l'endroit. Et Warren, tu vois ceci. Tu as des affaires de soins, tu peux éventuellement les balancer. Ouais. Allez. Moi, je commence le massage cardiaque, du coup. Test de force ? Test de force ou on dit menace. Alors que tu es seul sur l'île. Seul. Test de force. Très bien. T'as combien en force ? 55, c'est coordonné, donc c'est 65. Allez. Bah, c'est en train de rouler. Ah. Je vois pas 40... Non, c'est pas moi. Bah, je le refais, du coup, parce que... Vas-y. Mais il y a marqué Rolling the Dice, parce que j'ai pas envie de le lancer deux fois, tu vois. Non, c'est bon. 54 ! Ça passe ? Oh, pour 55 ! Ah ! Pour 55, tu lances la trousse de soins dans le navire qui s'en va, qui est saisi au dernier moment par l'un d'entre vous. Et bah, alors qu'il est en train de convulser... Deux secondes. Alors qu'il est en train de convulser, il y a donc la femme, Elise, qui s'est présentée tout à l'heure, qui a fait « Mais il faut le porter secours ! Il a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit qu'il connaissait l'emplacement d'une autre arche !» Il a donné ces termes-là, je ne sais pas pourquoi. Il doit nous dire, et c'est le seul à connaître sa localisation. Qu'est-ce moi, que tu veux j'essaie dire de le soigner. Je transforme en jeune scène. Dis-moi, Bruce. Non, moi, c'était juste pour savoir si tu voulais du poivre avec ton sel. On verra c'est ça tout, quand tu seras seul. Et c'est ainsi, Warren, alors que tu te mets à l'abri, en arrière. Ce que tu vois, par contre, est assez inattendu et est confirmé par les cris des personnes sur le navire qui s'éloignent. Et ce que tu vois au loin, c'est un zombie qui a des sortes de spasmes musculaires qui se met à courir dans ta direction, alors que ceux qui sont sur l'embarcation hurlent « Quoi ? Mais ils se mettent à courir maintenant ! Attention ! Il arrive plus vite que les autres ! Attention ! Warren ! Attention !» Franchement, sur le bateau, il s'en bat. Et l'embarcation qui... Si tu veux, regarde, le mec qui est en train de faire son attaque, on le soulève, on le jette à la flotte, et toi tu montes sur le bateau, comme ça le nombre de personnes, il change pas. Mais non, mais attends, moi maintenant, les zombies, je vais les désinguer avec l'indice de menace, là. T'en as plus qu'un, hein, et après c'est l'enfer sur terre. Ah, j'en ai plus qu'un, on n'a pas utilisé. Non, on l'a pas utilisé du tout ? Du tout ? Il en a trois. Ah, ok. Et c'est ainsi que l'embarcation quitte cet endroit avec cette valise qui comporte, d'après ce que vous avez pu. Non, c'est moi qui ai la valise. Oh merde ! La valise ! Non. Non, mais non. Non, non, c'est Fred qui avait la valise. Oui, Fred qui avait la valise. Non, c'était moi. Non, non, c'est Fred. Je suis joué avec. C'était moi qui l'avais, mais c'est bon, vous l'avez prise. Bah oui, sinon ça prend pas de sens. Ça prend aucun sens. Absolument. Ouais. Et c'est ainsi que vous laissez Warren seul face aux créatures mort-vivantes qui chargent vers lui. Mais attends, moi je suis planqué, elles ont vu où j'étais ? Pour l'instant, non. Mais... Est-ce qu'on peut faire un jet pour savoir si on soigne le mec qui fait une crise là dans le bateau ? Bien sûr, c'est là-dessus que j'allais conclure. Ah, fait bah parfait. Moi un test. Vous avez un bonus de 20% grâce aux soins. Aux soins. Vas-y. C'est un test de quoi ? D'intelligence. Ben ça fait 110 pour moi du coup. Oui, mais. Tu peux faire un échec critique. Un échec critique quoi. Mais ton échec critique est à 86 parce que t'es en état morbide. Mais j'ai l'habitude. Vas-y. 23, allez. 23. Et c'est ainsi que tu lui prodigues les soins d'urgence, tu le stabilises et tu sauves cette personne qui, d'après elle, connaîtrait l'emplacement d'une autre arche. Voilà, j'espère que l'exercice de style vous a plu. Alors pour moi, c'était une première, là, avec un tel JDR, de proposer un spin-off. Non seulement ça a été l'occasion d'étendre un univers que vous découvrez au fur et à mesure dans cette seconde saison des Survivants sur le bazar du grenier, mais ça me laisse une totale liberté. Et du coup, l'un et l'autre s'impactent, mais tout en étant indépendants. Si vous avez aimé l'exercice, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et
accessoirement à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram, Facebook, Twitch où on a tourné cette vidéo. Et donc j'espère que par la suite, il y en aura d'autres qui viendront, qu'on essaiera également. C'est la fin d'un chapitre, mais c'est aussi le début d'autres chapitres avec de nouveaux personnages, de nouveaux enjeux et tout se recoupera à un moment ou à un autre. Merci de m'avoir suivi, à plus tard.